humbles salutations, je suis TX9000 et je suis dans les conduits. Bienvenue pour le 4e épisode d'Alien Isolation. Voilà. Alors on reprend le passage où on était la dernière fois avec tous les gens qui veulent nous tuer. Donc on va aller se cacher. Je suis dans les conduits, je suis descendu. Voilà. Et nous avons accès à une petite salle secrète, visiblement. Qui pourrait nous être utile, mais on a besoin d'une torche à plasma. Et on a juste de l'agent collant. Bon. Attendez, autre chose, peut-être. Pistolet seringue. Détecteur, ok. Oh putain, on peut me fabriquer un medikit. Alors j'ai utilisé un medikit parce que je me suis fait tirer dessus en revenant ici. Par la bonne femme qui a le syntoniseur d'accès. Mais voilà, c'est fait. Donc là au moins, on va pouvoir s'en sortir. Nous n'avons plus qu'un fumigène. C'est la catastrophe. C'est très dur. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de les buter à coups de clé. Avec l'outil d'entretien. Enfoiré. Où est-ce qu'ils sont? Parce qu'en plus, ils font pas de sommation. Ils tirent sans poser de questions. Donc, si je veux avoir une chance de les tuer... En bas. Pour avoir la moindre chance de les tuer... Oups. Pour avoir la moindre chance de les tuer, il va falloir ruser. Ils sont dangereux, ils tirent sans sommation. Je vais me cacher dans mon conduit, le temps de réfléchir à une stratégie. Que faire? On a accès à un reroutage là-bas. Le truc c'est qu'il patrouille, il me semble qu'il y a toujours le Gugus là-bas. Non, c'est juste la porte du fond. Le truc, c'est que je ne sais pas où ils sont, donc c'est fort difficile d'arriver à les tuer. On va s'en sortir, promis. Et que tant qu'ils sont en groupe pour les tuer, bah. C'est coton. C'est marron, même, je dirais, pour les tuer. Bon. Qu'on réfléchisse. Ok, ils sont en bas pour l'instant. Pas vu, ok, cool. Peut-être une chance d'arriver à faire quelque chose. Oui, je sais, ce suspense. Cette concentration qu'il y a. Est-ce qu'il est là, l'autre? Est-ce qu'il est ici? Non, il n'y a personne. Merde. C'est tellement plus facile de le baiser quand il est dos, ce con. Hop, il est là. Merde, je vais être pris en tenaille. S'il revient trop vite, je suis mort. Ok. Caché ici, peut-être que c'est jouable. Oh, c'est lequel des deux qui va arriver en premier? Chier. C'est lui. Oh, chute. Quelqu'un est en train. Ok, on en a eu un, hein. C'est déjà pas mal. Kit, medikit.
par là. Va me faire croire qu'ils ont pas... Ils ont pas relevé le coup de feu. Ah. Bon. Ok. Un de moins. C'est déjà ça. Je peux ramasser ça? Dommage, je l'aurais bien fait exploser. Je crois qu'elle est partie en bas. On va jeter un œil. Oui. Tu rêves? Hors de question que j'aille par là. Elle a pris ton outil de piratage. Il marche pas. On va trouver un autre chemin. Ça fait trop longtemps qu'on croupit ici. Oh 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 oh! Qu'est-ce que c'était ça là-bas? J'ai entendu un vilain bruit, j'ai vu quelque chose passer là-bas. Bon. Alors attendez, on va vérifier qu'il n'y a rien, on va ramasser tout ce qu'on peut ici, on va faire la sauvegarde. Bien sûr, il n'y a rien d'intéressant. Oh, le revolver, si! Oh! Oh mon dieu, parfait. 6 balles, génial. Parfait. Excellent, sauvegarde. Et on va pouvoir riposter... On va pouvoir riposter proprement dans la tête de cette bande de trous du cul. Donc en tout cas, j'ai entendu un bruit d'alien. Ça veut dire que l'alien, il est venu. Il me semble qu'on l'a vu passer là-haut, hein. J'ai pas rêvé, je l'ai vu, hein. Bon, eh bien écoutez, on va aller les revoir et on va gentiment leur expliquer la vie à cette bande de petits cons. Hein? Ouais, vous allez apprécier. Vous allez beaucoup apprécier ma négociation, ma façon de négocier. Niveau de sécurité trop élevé... On va retourner dans les conduits. Hein. Moi, est-ce que ça a été un quelconque intérêt? Par là-haut. Rien de bien intéressant. Je suppose qu'on doit pouvoir venir d'en haut directement ici en passant par les conduits. Il n'y a rien du tout là, t'es sérieux? Oh. Un peu de Camelot, un peu de recharge. Et ouais, c'est tout, hein. C'est pas bien fameux. Ah, pas besoin d'allumer, parfait. Ok, on est où? On retombe ici. Ok. Est-ce que le système de sauvegarde s'est réamorcé? Pas du tout. D'ailleurs, je sais où il y a l'autre. On va descendre juste au cas où pour vérifier ce qu'on a en bas. Que dalle. Bon, cela dit, les décors sont très chouettes, mais il y a quand même beaucoup de trucs inutiles dans ces décors chouettes. Bien, bien, bien. De toute évidence, il va falloir que je leur troue la peau à ces enfoirés. Et ces morceaux de station qui se décrochent, c'est très perturbant. Il faut arrêter, hein, ces morceaux de station qui s'en vont, là. Et remarque, vu la cadence à laquelle les morceaux de station s'en vont, ça fait déjà plusieurs mois qu'elles devraient être intégralement démontées, hein. À moins que, pour la logique des choses, on pourrait dire que ces objets se sont mis en gravité... En rotation, en orbite autour de la station. Donc du coup, ce qui ferait que des morceaux se sont détachés, mais que c'est toujours les mêmes qui tournent. Donc bon, au final... Ce serait pas si dérangeant que ça, niveau de sécurité trop élevé. Ah très bien. Ah très bien, vous m'avez fermé ici en fait. Non, c'est pas sérieux, ils m'ont pas fermé. C'est ici, ils m'ont fermé là. Oh, allez bien vous faire voir. Ils m'ont enfermé. Ah, bande de petits saligots. Vous m'avez enfermé en bas. Bon, eh ben écoutez, puisqu'on le m'y pousse, je vais aller chercher ce qui me manque. Tiens, le système de sauvegarde s'est réamorcé, c'est plutôt cool.
Ok, bah on va emprunter ce long couloir noir inquiétant. Mais on va sauvegarder avant quand même, parce qu'on n'est pas mazo non plus, on n'a pas envie de tout se retaper. Il se passe quelque chose. Carte d'accès requise, c'est pas vrai, j'avais une carte d'accès là? Ah oui, eh ben, attendez, carte d'accès juste à côté, fatalement. Fatalement, moi j'étais occupé et absorbé par le revolver, voyons, comme tout homme normal qui se respecte. J'imaginais pas qu'il puisse y avoir deux objets aussi importants mis l'un à la suite de l'autre, collés l'un à l'autre, de la sorte, enfin. Bon... Ce lieu est très inquiétant. Est-ce qu'on a des choses? Des plaques d'identité, oui. Cigarette, s'en fout, on ne fume pas. On est des gens bien, on est des gens respectables. On tient à garder notre argent pour l'investir dans des choses utiles, telles que des téléphones... Oh, bombe fumigène, parfait. Qu'est-ce que ça nous dit, la bombe fumigène? On a besoin de quoi pour la faire? On a besoin d'éthanol, de détecteurs et d'agents collants. Ok. On va rester comme ça pour le moment. Bien, bien, bien. Ramasser. Place pour la camelote. Ok, ça veut dire qu'il va peut-être falloir faire des trucs. Non, je vais pas garder le medikit à la main. Je préfère garder le revolver. C'est pas très recommandé, mais au moins... Oh! Bonjour, monsieur! Attendez, je viens vous voir dès que j'ai fini ce que je faisais. J'ai plus d'agents collants. La camelote, celui-là, je l'ai déjà visité. Ok. Ah, oh, tiens. Bon sang. La boîte noire. Quoi? Quoi? Non! Putain, merde! Ok. Ok. Concentre-toi. Oh, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Bon, vous voyez qu'on a retrouvé la boîte noire, mais que malheureusement, les données qui sont dessus sont inexistantes, voire complètement corrompues. Ce qui ne nous arrange pas du tout, visiblement. Ah, la nouvelle cellule pour remettre en route notre syntoniseur. Excellent. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on a autre chose par ici? Vérifier, hein, des fois qu'on passera à côté de quelque chose d'important. Bon, de toute façon, c'est une alerte rouge, hein, donc partant de là, il ne peut rien y avoir de bon. Bon, alors c'est ennuyeux. Donc on a la boîte noire, c'est bien la boîte noire du Nostromo, je suppose. J'essaie de lire dessus. Ouais, c'est la boîte noire du Nostromo. Bien, bien, bien. Alors, on va utiliser le syntoniseur puisqu'on est verrouillé. Bon, testons ce truc. Alors, on va chercher le signal. Dès qu'on l'a trouvé, on met les trucs. Alors, le machin là. Ce machin là. Et ce truc là. Code accepté. Ah ah, on a coupé. Ok, tac, 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 là, 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 bonjour. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir par là-bas ce qu'il y a. Allez, un petit coup de syntoniseur, parce qu'on est bon. Parce qu'on est bon, ouais. Parce qu'on aime ça, surtout. Hop, cette forme-là. Ah, zut, je me suis trompé. C'est pas ça que je voulais faire. Zut, je me suis complètement gouré. Celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, désolé. Au lieu de me déplacer, j'ai validé en fait sur le coup précédent. C'est pour ça que je m'en suis fait considérablement baiser de la sorte. Des munitions de revolver. J'aime bien. Munitions de revolver. Une balle. Alors, je ne me plains pas. C'est mieux que rien, bien entendu. Mais quand même.
Alors, Medikit, on va en fabriquer un supplémentaire pour être tranquille. Parce que plus on en aura, mieux ça sera. On va se remettre au revolver, on va ramasser les plaques d'identité. Ah, un peu de lecture. Louche privée à l'intention du Marshal Waits. Ici Chief Porter de l'assistance technique. Écoutez, il n'y a que dalle dans cette boîte noire, Waits. Je ne sais pas combien d'accords de confidentialité d'entreprise on a bafoué pour en arriver là. À part le logo de la Wayland Yutani et un affichage vide, yet. D'un autre côté, ces trucs-là sont faits pour nous. Alors souhaite personne à bord du Nostromo à faire en sorte que la mémoire de leur unité centrale maman l'efface du système, ou pour X raison, les données ont été corrompues avant d'arriver ici. Je peux savoir en quoi c'était une tâche prioritaire? D'accord, ok. Bon, allons-y. Bon, tous les voyants sont au rouge. Ça veut dire qu'il va se passer un truc pas très cool dans quelques secondes. Certainement, oui, en quelques minutes. Incessamment sous peu, nous allons y avoir droit. Bien. Bon, eh bien, on va remonter à l'étage. S'activer le verrou de sécurité. Bah, où qu'il est le verrou de sécurité, du coup? Ok, d'accord. Ah oui, bah, faut, oui bah, fatalement, il faut que je remonte. Alors, est-ce qu'on a accès ici, à cette zone? Parfait, on va les syntoniser un coup. Qu'est-ce qu'il nous dit, le signal? Il nous dit le 3 à l'envers, il nous dit celui-ci, il nous dit celui-là. Ah, ok, signal perdu. Oui, non, mais c'est bon, attends. Qu'est-ce que, quel est le foutre là-haut? On a, faut pas déconner, on a... Ok, Sixon, je suppose. Est-ce que je peux déverrouiller via ce terminal? Magnifique. Archive. Partager avant-poste progrès. Bien, l'audio. Il n'y a rien en audio. Non. C'était pas ça. C'était pas ça que je voulais faire. Utilitaire. Rien du tout. Bon, très bien. Que dalle. Oh cool, encore une munition de revolver. Hop, on va se remettre. D'ailleurs, d'ores et déjà avec le revolver, même si je sais qu'il ne faut pas trop tirer sous peine d'attirer l'alien. Désactiver le verrou de sécurité. Ok, alors on va pas le faire tout de suite. On va finir de ramasser le bazar avant. Ok, puisque c'est par là qu'il faut qu'on passe, visiblement, pour repartir. Bien, 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 bien. Déverrouillons. Bonjour. Cette queue de fou. Contaminant étranger détecté, les amis. Nous avons... Nous avons un contaminant étranger qui est passé par ici. Bien, bien, bien. Et qui est donc monté par là, je suppose. Non, pas du tout. Par où il est passé? Bah... Mais enfin... Je ne vois... Bon, très bien. Je vais retirer la tâche et puis... Il est reparti, visiblement.
juste pour montrer qu'il était là en fait. Très bien, très bien. Alors, je suis là, je suis revenu ici en fait normalement, donc ouais. Ok, bon. Sauvegarde, hein, du coup. Voilà, petite sauvegarde qui va bien. Ça y est, on a rencontré la grosse bestiole. Maintenant, on va pouvoir s'amuser. C'est chouette, non? Qu'est-ce que vous en dites? On va s'éclater un peu avec cet alien. Moi, il m'a l'air bien cool et bien sympa, cet alien, quand même. Allez. On va courir un peu, on va faire du bruit. Sait-on jamais des fois qu'il lui prendrait l'idée de descendre. Bon, du coup, avec le Cinto, je pense que je peux ouvrir ça. On va tâcher de faire en sorte de pourrir les autres cons, mais c'est pas nous qui allons le faire, c'est juste l'alien qui va s'en occuper. Hop. Oh non, zut, j'ai appuyé deux fois de trop. Oh, c'est pas vrai, ça. Alors, toi, le V bizarroïde et le Gremlin. Voilà. Accès autorisé. Bon. Oh là là. Pas par là. T'es sérieux? Tu peux aussi aller dans ce genre de truc? Mais comment? Ok. Bon, normalement, on devrait plus avoir de problème avec ces emmerdeurs. Ils doivent être tous morts. Plus personne. En fait, il est là. Vu le temps... Non, on a sauvegardé depuis pas très longtemps, donc au pire, ça va. Où est-ce qu'il est? Il est en haut. J'ai pas vu ce que ça a donné, mais... Ok. Quel syntoniseur, vite. Le V bizarre, le 3 à l'envers et le Oméga. Très envie d'aller rechercher le truc de sauvegarde si c'est possible qui est en bas et surtout de ramasser les balles de revolver parce que c'est précieux, utile et on en a besoin, mais à tous les coups ils ont dû verrouiller tous les systèmes à côté. Ouais, une munition de revolver, merci quoi, super. Bon, après je dis ça mais c'est quand même mieux que rien, faut pas non plus pousser mémé dans les orties quoi. Ok, c'est cool, on va pouvoir les sauvegarder. Il se balade. Il se balade, le con. Rouillé, porte fermée. Hein?
Cette ambiance, c'est de la folie, c'est génial. Ok, je crois que ça, c'est le bruit qui indique qu'il remonte. C'est cool parce que des zones qui sont... que vous croyez être en sécurité, hop, on va sauvegarder, voilà. Excellent. Bien, nous sommes sauvegardés, nous ne craignons plus rien. Pour le moment. Bon, eh bien, je crois que nous allons conclure cet épisode d'Alien ici. Et que nous allons nous retrouver très bientôt pour la suite. En attendant, restez connectés. Humble salutation, c'était TX9000 sur Alien Isolation. Voilà, cette vidéo d'Alien Isolation est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir visionnée dans son intégralité. Vous pouvez bien entendu laisser un petit pouce en l'air dessus. Petit j'aime, quoi. Je vous propose également de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez suivre cette passionnante aventure. Vous pouvez également retrouver l'épisode précédent ici, ainsi que l'épisode suivant ici même. Vous avez toujours la possibilité de partager ces vidéos sur Facebook ainsi que sur Twitter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. En attendant, ne fuyez pas trop loin. Humble salutation, c'était TX9000.